Salut Internet! Aujourd'hui, j'ai posé une question à mes voisins. Je leur ai demandé, faut-il accueillir les réfugiés syriens? Je te laisse découvrir leur réponse. Ah ben moi, le mois dernier, j'ai déjà tenté l'expérience d'accueillir des réfugiés. J'avais une famille à la maison, donc bon, à un moment donné, tu te dis, on va faire des activités. Donc bon, ben moi, partant du principe qu'a priori, ils avaient le pied marin, tu vois, j'ai pensé faire une petite balade en barque au bois de Vincennes. J'avoue autant vous dire que l'activité est tombée à l'eau, c'est un mauvais jeu de mots. Moi, c'est rien, les réfugiés syriens, quitte à avoir un correspondant, tant que ce soit un anglais, quoi. Au moins, c'est une langue utile, quoi. Moi, accueillir un réfugié syrien, pourquoi pas? Ou à condition qu'il ait un petit air de Bachar al-Assad, il est bel, alors, moi, je le trouve beau, celui-là. Mais bon, moi, si vraiment on me demande mon avis, j'accueillerai plus volontiers, je sais pas, moi, Camerounais, Sénégalais. Je sais pas, je trouve qu'ils ont la misère plus joyeuse. Accueillir un réfugié syrien? Oui, pourquoi pas? Bon, je veux dire, les Portugais sont bons en maçonnerie et les Polonais sont bons en plomberie. Reste à savoir quelle est la valeur ajoutée du Syrien, hein? Bon bah ok, je suis pour qu'on accueille des réfugiés syriens. Mais bon, à condition que ce soit des bons, quoi. T'as compris? Moi je vote pour, en tout cas. Oui, bon, est-ce que tout le monde est d'accord? Ok, accueillons des réfugiés syriens, après tout, on ferme plus nos frontières, on va pas commencer à fermer nos yeux. Si cette vidéo t'a fait marrer, ou en tout cas sourire, tu peux t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et si tu veux voir mon spectacle, je joue tous les mercredis soirs à la Comédie des Trois Bornes à Paris. Bon, si t'habites pas Paris, c'est pas grave, je vais peut-être venir jouer près de chez toi. Si tu veux connaître mes dates, connecte-toi sur mon site, benedictevidal.com. À bientôt!